Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Saint-Ignace vous informe. Chaque mois, on rencontre le maire, le premier citoyen de Saint-Ignace, M. Jean-Luc Barthe, et on fait le point là, sur l'Assemblée du Conseil mensuel, l'Assemblée régulière. Évidemment, on parle là, présentement de celle du début février, le 3 février. Donc, c'est toujours en début de mois. Et évidemment, il y a plusieurs sujets comme à chaque fois qu'on se rencontre, puis on va en profiter un petit peu pour passer à travers l'heure du jour, comme on dit. Ah, Si vous voulez bien, Monsieur le maire. pas de problème Donc, là, Monsieur Bellemare. évidemment, les premiers points, on les connaît. On ouvre Ouais, c'est ça. l'Assemblée, on fait la prière ou le mot, la pensée. L'heure du jour, période de questions. Et après, évidemment, là, on tombe un peu plus dans Non, le tout à fait, vif tout à fait. du sujet, là. On va y aller plus dans le sujet, c'est qu'on va parler des comptes à payer. Pour ce mois-ci, les comptes à payer se totalisent 29 216,90. Puis l'un des plus gros montants qui est dedans, c'est notre quote-part qu'on paye pour la bibliothèque à CRSBP, du Centre du Québec et de la Mauricie, qui est de 12 000 quelques cents dollars. Puis aussi, des dépenses incompressibles, vous savez que c'est toutes des dépenses autorisées d'avance, qui totalisent ce mois-ci 76 665,37. Donc, il y en a une dedans, c'est les rachats d'obligations qui totalisent 33 000 dollars. OK. Fait que c'est des gros montants qu'on a payés ce mois-ci. Fait que ça, c'est des gestes qu'on pose mois après mois Mois après pour mois, évidemment et voilà. autoriser ou accepter là, C'est ça. les dépenses qu'il y a eu, soit Qu'il y dans a le mois eu, ou celle à venir et voilà, à ceux ce qui moment-là. viennent, c'est ça. C'est ça. On parle au point 8 du salaire des membres du conseil municipal. Donc, Bien, d'après notre règlement, c'est que les salaires des membres du conseil sont augmentés selon l'indice des prix à la consommation. Puis, je pense que c'est du mois d'octobre ou septembre, en tout cas, c'est sur 12 mois qu'ils sont calculés. Puis, cette année, ça représente 1,53 %. Donc, les membres du conseil, soit le maire des 6 conseillers, l'augmentation qu'on a cette année, c'est de 1,53 %. OK. Ça, c'est, mettons, c'est réajusté à partir du début de l'année ou... J'ai réussi à partir du 1er janvier. OK. C'est ça. Fait Okay. qu'un petit C'est ça. rétro Un petit rétro à ce d'un petit moment-là. mois. Fait que ça s'ajoute au salaire que vous Que vous aviez, avez le maire présentement, ou les c'est ça. conseillers de l'an Mais ça, dernier, là. c'est écrit dans notre règlement qu'on a dans le traitement des élus. C'est ça. C'est prévu dedans comme quoi c'est l'indice des prix à la À la consommation. consommation, donc... Fait que vous avez une petite Un augmentation. petit augmentation. C'est beau. Au point 9, on parle de vente pour non-paiement de taxes MRC d'autrui. Je pense que c'est la MRC qui Bien, c'est la supervise ça, mais municipalité qui c'est gère dans ça, c'est votre qu'on municipalité. a ils ont jusqu'au, je pense, au 19 mars 2015 pour venir payer soit la dernière année. Mettons, c'est sûr, nous autres, c'est 3 ans, là. OK. Mettons, on est en 2015, mettons, c'est peut-être 2012, je pense, qu'il faudrait qu'ils viennent payer. Un coup, s'ils payent 2012, là, on efface les noms de ceux qui viennent payer. Puis ça... Mais ceux qui ont jusqu'au 19 mars, puis à la MRC, c'est le 11 juin. Parce qu'un coup qui s'est rendu à la MRC pour vendre de non-paiement de taxes, bien là, c'est plus un an, il faut qu'il paye le total. OK. Fait que, mais nous autres, ça représente, on a 4 cas à Saint-Ignace, puis ça représente environ 11 790 $. C'est OK. quand même un montant qui est respectable, là. Écoutez, nous Faut autres, puis donner suite. Les c'est autres, ça. les gens payent le taxe, fait Mais qu'il on faut n'a pas eu aussi... beaucoup de problèmes avec ça, parce que presque à tous les ans, les personnes y venaient, puis ils payaient quand même la dernière année qu'il y avait, puis ça revenait. On n'a pas eu gros de vente de taxes pour nous à Vous Saint-Hyacinthe. n'avez pas un gros historique à ce niveau-là, là. Non. C'est moins... C'est pas un Vous savez, cas... on a des cas qui reviennent peut-être à tous les ans, mais ils viennent tout le temps payer une année OK, ils la finissent dernière année par... pour pas aller en vente pour taxes. OK, fait que On c'est... s'en quand même s'en sort pas mal. Faut suivre nos Puis là affaires, aussi, bien comme là, on cette dit. année, bien, C'est ça. on donne une chance un peu plus au monde, c'est qu'on a fait ça en 4 versements. C'est sûr que c'est le même montant au bout de la ligne que vous allez payer en taxes, mais c'est sur 4 versements. Okay. Au lieu de 3, comme C'est c'était ça. pour les Soit autres il y a des années. municipalités, il n'y en a plus là, mais je C'est pense ça. qu'ils en ont mis à 5. C'est ça. Ben, on C'est avait ça. pensé à 5, mais c'est parce qu'on veut finir tout le temps. Le dernier paiement, faut il faut qu'il se fasse vers le mois de septembre, parce qu'après ça, quand il arrive le mois de septembre, c'est la fin de l'année qui approche. C'est ça. Il faut quand même avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu'il y a à payer aussi. Aussi, faut que ça roule. Oui. Ça aide quand même les gens C'est ça. à étaler un petit peu là, ces paiements-là. Et voilà. C'est plus, ça peut aider. C'est un coup de pouce.
On parle au point 10, il y a eu une demande de subvention pour les chemins et rues. Bien, ça, c'est que nous autres, cette année, on prévoit investir dans les chemins et les rues environ 62 000 $. Fait que là, on demande une subvention aux députés. En temps normal, on espère aller chercher. J'aimerais ça aller lui demander une subvention d'à peu près 30 000 $. Mais je sais qu'on devrait aller chercher, j'espère qu'on va aller chercher au moins 10 000 $ et un petit peu plus, si c'est possible. Okay. Est-ce que d'année en année, comme le 60 000 que vous prévoyez injecter là-dedans, c'est semblable, bien, en tout cas, depuis quelques années? On essaie de maintenir ces montants-là parce qu'on veut investir dans les chemins de rue aussi, parce que quand. Mais si on a fini de faire notre programme, que tantôt on va en parler d'ailleurs, pour la TEC, c'est-à-dire la taxe sur l'essence, mais c'est parce qu'il faut investir dans nos rues, parce que nous autres, ça présente quand même un montant de 20, mettons 21, on va dire 21 % qu'il faut investir du montant que la TEC nous donne. C'est comme cette année, on pense, bien, on a reçu le montant comme quoi qu'on devrait avoir 970 000 à peu près. Mais à 22 %, ça présente pas loin de 200, c'est 200 quelques mille. Fait que, en tout, on va avoir 1 million quelques cent mille investis dans nos chemins des rues. Bien, c'est pas rien pour les chemins des rues aussi. C'est primordial pour l'eau, les égouts, l'assainissement. Après ça, c'est les chemins. Okay. C'est tout c'est ça. Puis cette année, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et on va avoir un certain montant, je pense que c'est 20 % qu'on va pouvoir investir pour autre chose. Ça pourrait être au loisir, mais c'est des choses que moi je trouve agréables, là, que cette année qu'on ait débouché au moins 20 % du montant qu'on va pouvoir investir. Bien, 20 % de 900 000, c'est quand même un montant respectable à investir à quelque part. C'est ça. Fait que ça éventuellement, évidemment, il faut prévoir dans l'aménagement, pas dans la restauration de nos rues, de peu importe la municipalité. Il faut le prévoir aussi, parce qu'à un moment donné, ça finit par coûter cher. Bien, il faut vous dire une chose. C'est vrai qu'il faut le prévoir. C'est sûr que toutes les municipalités aiment beaucoup. Il y en a peut-être qui l'investissent un peu moins, parce que je pense qu'il y en a qui savent qu'il y a un programme qui s'en vient au provincial. Puis je pense que nous autres, Saint-Signal, je pense qu'on va être pénalisé un petit peu. D'ailleurs, tantôt, on va en parler parce qu'il y a un point, donc, qu'on a un montant qu'on va investir justement pour les rues. D'accord. Au point suivant, ça aussi, c'est annuel, les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation. C'est ça. Parce que vous autres, à Saint-Ignace, il y a un édifice pour ceux qui. L'OMH, il y en a beaucoup qui. Avant, ça s'appelait le HLM. C'est ça. On appelle ça l'OMH. Puis nous, pour la municipalité, c'est la contribution du budget qu'ils ont, c'est 10 % qui représente 4 339 $. Mais ça, c'est la contribution municipale. Mais vous savez que nous autres, on va chercher les taxes sur la bâtisse. Fait que c'est un petit peu moins. Puis là, ça va être un petit peu moins cette année aussi, parce que je pense que si ça fait partie des choses du règlement que le ministre Moreau a mis, mais on devrait perdre au moins un petit 10 % là, encore 10 ou 20 % qu'on va perdre sur les montants qui vont nous rembourser. Parce que ça, c'est un programme qui existe depuis des années. Ça a permis à une municipalité comme Saint-Ignace, mais plusieurs, presque toutes les municipalités. Dans toute la province de Québec, tout le monde, ils ont un HLM, un OMH, dans le fond, c'est l'office. Moi, je vous dirais que toutes les municipalités, même il y a des villes qui en ont un, qui en ont beaucoup plus qu'une. Moi, je pense, même ici, à Berthier, je pense qu'il en a beaucoup plus qu'une. Oui, il y a près de l'église. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire, c'est pour aider. C'est des prix modiques, c'est 25 % de votre revenu. C'est ça. La personne en gagne 100 000, mais elle paye 25 % dans l'année de choses, c'est pas beaucoup, mais ça en gagne 40 000, mais elle paye 25 % quand même de 40 000. C'est pour aider les... C'est des logements primordiaux. Dans ce sens-là. Au point 12, il est écrit « Demande aux députés de Berthier », puis entre parenthèses, le calvaire Saint-Ignace de Loyola. Mais ça, c'est une demande que la municipalité fait au nom du calvaire de Saint-Ignace de Loyola, parce que c'est certaines personnes, c'est M. Valois qui s'en occupe, Mme Valois qui lui appartient, puis qui s'en occupe, puis aussi, on demande ça dans le programme soutien à l'action bénévole. Mais elle, Mme Valois, elle ne peut pas le demander en son nom, parce qu'elle ne pourra pas être éligible. Tandis que la municipalité, nous autres, on est éligible. Okay. Fait que nous autres, on la demande, on fait la demande aux députés. Fait qu'en temps normal, le député, selon les travaux qu'ils veulent faire, mais là, cette année,
pense qu'ils demandent 200 ou 300 $. On s'attend à ce qu'ils aillent au minimum 100 $. Fait que quand le député le donne, il le donne à la municipalité. Fait que la municipalité, après ça, elle retourne, c'est un in et out. Puis dans le fond, c'est les gens qui, chez qui le calvaire de Saint-Ignace, l'entretiennent. C'est ça. Avec cet argent-là, ils font l'entretien dedans, parce que les seuls revenus qu'ils ont, c'est quand la personne va là et qui paye pour allumer des lampions. Hein, c'est ça. C'est les seuls revenus. C'est ça. Comme moi, je me souviens, une année, il y avait eu 300 $ parce qu'il avait tout refait la couverture, puis il avait fait de la peinture aussi. Fait que le député n'avait donné C'est ça, fait que ça varie d'une année, mais c'est vraiment pour entretenir. Et voilà, c'est pour l'entretien du calvaire, c'est le site Psaïs. C'est ça. Je dis, je ne sais pas depuis combien d'années c'est là, mais je dirais que c'est au moins 70, peut-être 80 ans que c'est là. Sûrement. Ah oui, c'est souvent dans chaque municipalité où il y en a, ça date de, évidemment, longtemps. Mm. Le point suivant, je pense le mois passé, il me semble qu'on avait parlé un petit peu. Fait que c'est l'adoption du deuxième projet de règlement. C'est ça, évidemment. Et c'est pour le dossier des petites éoliennes. Oui, mais c'est plus des petites éoliennes. C'est surtout les marges qu'on a mis dedans, parce que vous savez que c'est beau une éolienne, mais quelqu'un qui a une éolienne comme chez moi, je voudrais m'en poser une, mais je pense, moi, je n'ai pas le terrain pour, là, parce que ce ne sera pas assez grand. Parce que l'éolienne, faut, on le dit, mettons, si on prend un motoporteur, bien, il faut qu'il soit. Doit être égal à plus d'une fois la hauteur du mât, autrement dit, des lignes de recul. Une fois la hauteur du mât. Mais si vous avez un mât de 15 pieds, il ne reste plus grand-chose sur le terrain. C'est ça. Puis il y a d'autres choses. Il y a un motoporteur, c'est une fois et demie. Puis le mot banné, c'est une fois. Puis avec les câbles d'acier qui sont là, bien, en plus, il faut qu'il soit à un mètre de la ligne. Parce que ce règlement-là, qui s'en va vers l'adoption, dans le fond, là, ou qui est adopté avec le deuxième projet. C'est ça. Ça prévoit là, que ce soit une petite éolienne ou un gros. Là. Aussi, ça prévoit que la personne n'a pas le droit de l'installer sur le bâtiment principal. OK. Parce qu'il y en a qui auraient pu l'installer sur la maison, mais d'autres, on a prévu de pas. On ne veut pas que ça soit installé sur le bâtiment principal. Ça faisait-tu partie, la réflexion là-dessus? As-tu commencé? Parce que c'est une demande. C'est une demande d'un citoyen qui voulait s'installer ça. Fait que, on a fait l'étude un peu avec le conseil, puis en même temps, on a discuté, puis là, on a décidé qu'on. Oui, on va aller de là. On va faire une chose au règlement 237, on va le modifier, mais par contre, on a mis des normes. Parce qu'on ne va pas se ramasser avec. Vous savez, moi, je pense que ça va se faire. Peut-être qu'il va s'en faire, mais ça va prendre un terrain assez grand. Oui, c'est ça. Puis, on connaît de plus en plus les éoliennes, mais il y a quand même, encore avant que tout le monde se pose cette petite éolienne, on a encore un bout à faire. Oui, beaucoup, beaucoup. À ce moment-là. Peut-être juste avant la pause, un autre petit point. Ben, peut-être un gros aussi, là, autorisé. Non, c'est pas. Directrice générale adjointe, là, peu importe, à approuver les demandes de Bell. C'est parce que souvent, Bell, dans l'année, ils arrivent et qu'ils veulent installer un ou deux poteaux de plus pour rallonger une ligne, tout ça. Là, ils envoient le plan à la municipalité. Il fallait que ce soit. Ils présentent ça au conseil, puis le conseil regarde ça, puis adopte. Dans le fond, ils sont tout le temps. Ils respectent tout le temps nos règlements. Ça fait que là, on autorise le directeur comme général. C'est une pré-autorisation. Eux autres vont vérifier si ça demande est conforme. Le directeur général ou l'adjoint, quand ils vont avoir les plans, ils vont regarder, oui, c'est conforme à tous nos règlements. Parfait, ils vont l'accepter eux autres. Ils n'auront pas besoin tout le temps de passer par le conseil pour faire accepter ces demandes-là. C'est bon. On a une bonne partie de la session qui est. Qui est résumé, si on peut dire ici. On va prendre une petite pause et on vous revient à Saint-Ignace vous informe dans quelques instants. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. On y va avec la deuxième partie de notre rendez-vous mensuel. Saint-Ignace vous informe. À mes côtés, le maire de Saint-Ignace, Jean-Luc Barthe.
On poursuit donc le résumé de votre assemblée du 3 février, l'assemblée mensuelle, avec d'autres sujets super intéressants. Ah, tout le temps. Parlons de... Tantôt, on a parlé des OMH, les offices l'Office municipal d'habitation. On aurait pu le faire en même temps, mais si on suit notre ordre, on suit l'ordre pour ne pas se mêler. Donc, c'est il y a une nomination au comité de l'OMH. Oui, c'est... parce que sur le comité sur le CA de l'OMH, on a deux représentants de la municipalité qui siègent sur l'OMH. C'était Mme Ross et M. Lacourcière, et ils ont été renommés, puis ils ont accepté de continuer leur mandat de siéger sur le CA de l'OMH. C'est Mme Nathalie Ross et M. Serge Lacourcière, puis je pense que c'est 2 ans ou 3 ans. OK, c'est des mandats comme ça, puis les autres, c'est avec aussi des résidents. C'est un comité là, qui est formé pour gérer justement l'OMH. En plein. D'année en année, là. Voilà. Parce qu'il y a les usagers. C'est un mandat aussi. De 3 ans. Jusqu'en mars 2018. Ça fait que les usagers aussi ont leur mot à dire là, dans ce comité-là, dans ce conseil d'administration. Il y a des citoyens qui sont des non-élus qui sont là. Et même il y a des représentants de l'OMH, ceux qui restent là, des citoyens qui habitent à l'OMH. Je pense que c'est un effort là, de tout le monde pour que ces offices-là fonctionnent bien. Point suivant, on parle de mise aux normes de fosses septiques, fait que c'est l'adoption d'un règlement là, à ce moment-là. Oui, c'est le règlement 467-2015 pour les mises aux normes des fosses septiques. C'est qu'on a adopté ce règlement-là, c'est permettre aussi à la municipalité d'aider des citoyens qui le veulent. Je pense qu'on a à peu près entre 12 et 15 noms qui étaient... Ils nous ont dit qu'ils voudraient se servir de cette chose-là, parce que ça va autoriser la municipalité à faire un règlement d'emprunt, puis aussi à financer pour ces personnes-là au coût réel de ce que ça va leur coûter. Mettons qu'une personne a fait faire sa fosse septique avec son champ d'épuration, elle a sa facture, qui a coûté tant, elle va venir à la municipalité, tout, si elle arrive qu'elle va respecter tout ce qui est dans le règlement, on va lui donner les montants d'argent, puis après ça, ça va être. On va les rencontrer, toutes les personnes qui veulent faire partie de ça aussi. C'est parce qu'aussi, on veut déterminer le thème, combien de temps vous voulez. Si vous voulez ça pour 5 ans, 10 ans. Pour le paiement. C'est ça, pour le remboursement. Parce qu'après ça, ça va être remboursé sur leur compte de taxes. De taxes, ça va être. Ça va être cas par cas aussi. C'est ça. Fait que ça, c'est donc. C'était pour aider ceux qui ne peuvent pas payer le montant total du total. Puis ça, évidemment, ça n'existait pas. Ça veut dire quelqu'un là, qui faisait. Il fallait qu'il fasse sa fosse. On ne l'avait pas. Non, on n'existait pas. Mais là, quand on a discuté, moi, j'en ai discuté beaucoup à MRC, puis aussi à FQM. Puis, ben, FQM en a parlé aussi au gouvernement parce qu'on voulait que le gouvernement aide les citoyens. Puis là, c'est là que le gouvernement il a dit ben, la municipalité n'a rien qu'à faire un règlement d'emprunt. On va accepter qu'elle le fasse. Puis bon, ils comprennent ça. Puis c'est sûr, certain que le règlement d'emprunt, ben, il va passer. Mais c'est sûr, ça va être les citoyens même qui parlent. C'est ça. Puis on sait que. Bon, moi, je pense que c'est une bonne affaire Puis je pense que c'est une bonne affaire que la municipalité peut faire pour aider les citoyens à se mettre aux normes. C'est ça. Au point suivant, on va parler un petit peu d'Hydro-Québec. On parle d'une levée d'obligation, ça. Ça, c'est le chemin de la rive boisée. M. Sylvestre, il a rallongé le chemin de la rive boisée. Puis aussi d'Hydro-Québec. De ce qu'on était avant le rond-point, avant que M. Sylvestre fasse, quand vous arrivez au bout de la rive boisée, il y avait un rond-point pour pouvoir revirer. Puis, ce terrain-là, il y a une partie du terrain, mais le terrain, le bout, qui appartenait à l'Hydro-Québec. OK. Fait que l'Hydro-Québec, avec les choses qu'il avait faites dans sa vente, elle avait vendu la municipalité pour 1 $. Mais par contre, il y avait une clause dedans, que moi, j'étais pas au courant, là. Puis, je sais même pas si le conseil d'avant, il l'était ou. En tout cas, il y avait une clause dans le conseil que si. Puis là, nous autres, vu que M. Sylvestre s'est rallongé, puis qu'on lui demande de faire un revirer au bout de son terrain. Les autos puissent donc, tomber. On se trouve à prendre un petit peu de ses terrains. Fait qu'on faisait un échange avec lui. La partie du terrain qui a donné sur le sien, c'est parce que lui, il a tout acheté les terrains d'Hydro-Québec, de cette partie-là. Fait qu'on lui remettait celle-là, puis nous autres, on s'appropriait de celui du sien. C'était inerte. Dans le fond, on s'échangeait les terrains. Des parcelles de terrain. Mais par contre, il y avait une clause dans le contrat d'Hydro-Québec qui disait que si le terrain ne servait plus pour chemin, qu'il revenait à l'Hydro-Québec. OK. Puis là, l'Hydro-Québec, ils ont décidé qu'eux autres, ils nous le vendaient 1 500. Fait
Fait que là, il faut l'acheter. On n'a pas. Vous savez, la municipalité n'a pas le choix. Fait qu'on va acheter le terrain à 500 $. Puis là, en plus, les frais de notaire pour pouvoir être tout. Fait que ça va monter à peu près. On prétend que ça va monter à peu près à 3000 $ pour tout faire. Puis là, l'autre petit du terrain qui est celui-là, sur le côté sud de la rue. Mais là, on verra ceux qui vont acheter le restant des terres. S'il y a quelqu'un qui s'est pas fait. Parce qu'on parle où il y avait la. Pas la tour. Ouais, c'est d'où ce que autrement dit, les câbles d'acier arrivaient pour obtenir la cour. C'est ça. Ça se trouve, on dirait, au nord de l'île, nord-ouest. Là. OK. Oh, fait que c'était mis en branle. On va acheter des terrains. Puis on va payer 1500 $ à l'Hydro-Québec, plus le contrat avec le notaire. Puis tout pour qu'on puisse. Officiel. C'est ça. Puis aussi que M. Sylvestre puisse, si jamais il veut vendre son terrain, bien, qu'il puisse le vendre sans que. Ouais, il y a une partie de terrain qui ne lui appartient pas. Là. D'accord. Évidemment, on est encore dans des froids assez glaciales, mais il faut penser à l'été. Oui. Le programme Desjardins, Jeunes au travail 2015, c'est une suite des autres années. C'est ça. C'est pour notre camp de jour. C'est tous les ans, on demande à Desjardins. En temps normal, on demande tout le temps deux aides moniteurs. C'est des jeunes qui n'ont jamais eu de travail. C'est les premiers emplois. C'est leur premier emploi, fait qu'on en demande deux. Si on n'a rien qu'un, bien, le conseil décidera si on en prend un autre quand même pour. Parce que moi, je pense qu'il va nous en prendre deux, absolument, parce que cette année, si on a plus que 50 enfants, et si on a 50 et plus, on va probablement gagner une troisième monitrice, parce que l'année passée, on a eu une, deux monitrices, on avait 50 jeunes, puis en plus, on a refusé à peu près une quinzaine. Fait qu'on s'attend cette année à en avoir un bon 60-65. C'était un beau succès. Oui, c'était un bon succès, mais c'était désappointant pour ceux qui ont 5-6 familles, peut-être 7-8 familles, parce que nous autres, à cette fin, ça marche par famille. 7 ans par famille. Si j'avais un enfant ou trois, c'est le même prix. C'est okay. 125 par famille. Là, cette année, on espère que ça va continuer le succès. Puis, s'il faut, on engagera une troisième monitrice. Mais on espère d'avoir nos deux jeunes pour c'est les ça, aider. En plus, pour ces jeunes-là, bien, c'est une expérience de travail. Là. C'est ça. C'est de recevoir les premiers chèques de paie. Et voilà. Recevoir les premiers chèques de paie. Puis de travailler. De travailler. C'est les aides monitrices qui servent, autrement dit, bien, comme leur patron. Des prises de responsabilité. C'est ça. Pour les jeunes. Ils leur disent ce que c'est fait, comment le faire. Puis il faut qu'ils leur aident. C'est beau. On revient toujours. On dit qu'on vient de parler de l'été. Une rampe de mise à l'eau, évidemment, ça sert plus en printemps, été, automne. C'est notre rampe de mise à l'eau qu'on a à Saint-Ignace. On va donner le contrat à la pourvoirie du lac Saint-Pierre. On va l'octroyer pour un an. C'est sûr que la pourvoirie a aimé pour 3 ans, mais la municipalité, on a décidé de l'octroyer pour un an au montant de 1990 plus les taxes. Puis là, je vais parler avec les conseillers, parce que c'est quand même, ça a été unanime, mais les conseillers, ceux qui voudraient que ce soit la municipalité, mais là, je vais discuter avec les conseillers, puis il va falloir qu'ils fassent cette année, là, qu'ils fassent vraiment une étude pour voir si la municipalité la prend, si c'est vraiment rentable, si on a les espaces nécessaires aussi. Parce que, vous savez, il y a 2000 pièces par année, puis que ça n'occupe. Puis là, cette année, on l'a dit qu'on est appelé un peu plus sévère. Mais là, on parle de la rampe qui est bien, c'est parce que, dans le fond, oui, la rampe de mise à l'eau, en face de pourvoirie, ça appartient à la municipalité. Okay, mais par contre, il faut dire que dans 1990, c'est qu'on loue le terrain, son terrain à elle, qui représente à peu près 200 par 200, pour agrandir le stationnement. Okay. Puis on l'a dit que cette année, on ne va pas de chaîne, parce que l'année passée, apparemment, il y avait une chaîne. Moi, j'ai été un dimanche après-midi, la chaîne était là, mais elle était à terre. Puis j'ai été voir comment ça se passait un peu. Puis bien, cette année, on a mis on l'a rencontré, Mme Leclerc, on a dit que ce qu'on voulait. OK. Puis on veut qu'il y ait un peu plus de suivi sur la rampe. Mais par contre, je vais m'asseoir avec mes conseillers, puis essayer de leur faire une étude plus, vraiment sérieuse, là, pour savoir. Puis je vais leur expliquer ce que j'entends, parce que ce que j'aimerais avoir comme résultat de l'étude, pour voir si la municipalité, on est-tu prêt à investir des montants d'argent, puis chez nous autres, on va s'occuper de la rampe de mise à l'eau. C'est beau. Fait que c'était. Ça suit. Donc, c'est la rampe, il y a une résolution pour ça, pour le contrat, pour la ligne, mais
Évidemment, ça va être à l'étude pour les autres années pour c'est ça. Venir. Ça. Offre de service Nordico. Et voilà, c'est justement ce qu'on parlait tantôt pour c'est l'auscultation de la chaussée. Nos 34 km de rue. Et autres, ils vont tout venir ausculter la chaussée, puis ils vont la mettre en catégorie. Autrement dit, ils vont les cataloguer bonne, moins bonne, moyenne, puis mettons urgente à faire. Là. Okay. Mais c'est parce que ça, c'est un montant de 4 828,95 $, si je crois, c'est plus taxes, si je ne m'abuse. Je ne sais pas, je vais vérifier. Non, c'est incluant les taxes. Mais par contre, je sais que la MRC, on va recevoir du gouvernement, il devrait recevoir un montant d'argent justement pour faire l'étude de toutes les rues de la MRC au complet, de toutes les municipalités de la MRC au complet. Fait que là, moi, je n'ai parlé avec le directeur général, j'ai dit, écoutez, madame, regarde, si à Saint-Ignace, on l'a fait, parce qu'on est en programme de faire tout ça pour avoir les montants de la taxe d'assises, parce qu'il faut le faire, mais nous autres, la scrutation des rues va être faite, là. Je vais avoir payé pour ça. Est-ce que la MRC, si j'ai un montant retiré, est-ce que la MRC va remettre le montant à la municipalité? Moi, je pense que ça va se faire. Puis j'espère que ça va se faire, parce que si la MRC a reçu, je ne sais pas, 50, 100 000 piastres pour faire ça, bien, j'espère que la partie qui va revenir à la municipalité va vu revenir. Ça va être fait. Depuis que j'avais fait, je n'avais pas besoin de le faire, puis ils vont être de à côté. Fait que... okay. c'est là que je vous disais tantôt que quand on entretient nos rues, bien, on est pénalisé, parce que le gouvernement, s'il augmente comme c'était prévu, de 120 millions à 200 millions, le montant qu'ils vont injecter pour les rues des... Les rues hors numéro, là, je vais dire hors provincial. Mais chez nous, bien, plus les rues sont belles, moins on va en avoir. Vous savez, je vois une rue là, je pourrais avoir des montants, là, puis j'espère que ça va se faire vite si on est capable d'aller en chercher, puis ce serait la rang Saint-Joseph. Parce que vraiment, la rang Saint-Joseph, il y a besoin de. Il y a besoin d'un petit peu d'amour dedans pour en faire. Un petit peu. Puis, je vois ce rang-là parce que les autres, la plupart, ils ont été faits. Chacun son tour. C'est ça. Mais c'est parce que je ne profiterai pas de ces montants-là, probablement. C'est ça. Point 21, conseiller juridique, convention collective, on sait qu'il y a une négociation. Oui, on est en train de négocier. Puis là, bien, on devrait le rencontrer, le monsieur. On n'a pas dit qu'on va s'en servir, puis qu'on va l'appeler, puis qu'il va venir tout de suite, mais si jamais on a besoin, c'est la firme Casa Marceau Soucy Boudreau, avocat, le conseiller technique, le monsieur, il a 30-quelques années d'expérience qui m'a été dit en relations humaines, donc il a négocié des conventions. Fait que je sais que nous autres, là, on lui a envoyé la convention, ce que nous autres, on a fait pour envoyer autre chose, puis. On attend pour voir si tout est correct. Puis je pense que. Puis les montants avec cher, eux autres, c'est 140 piastres de l'heure. Fait que, on s'est dit, bien, si on est capable de les prendre, comment ça nous coûterait. Des conseils. Il faut être aussi. Parce qu'évidemment, les employés aussi sont représentés. C'est ça, sont représentés par la CSN. Fait que, c'est ça. Vous savez. Puis là, moi, je sais que j'étais là pour négocier avec le DG et le DG adjoint. Puis il y avait un conseiller avec moi. Mais j'ai décidé de me retirer. Je vais aller rester négocier, le DG et le DG adjoint. À ce moment-là, ben, si jamais ils ont besoin du monsieur, ben, on prendra le monsieur de la firme, qui s'assiera avec eux autres, puis ils négocieront. Puis si jamais, pour quelque raison qu'il soit, ils veulent que j'intervienne, ben, j'interviendrai. Ça sera comme par étape. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des dons? Oui, on a eu des dons pour la FEHAUSE, 200 $. Fait que. Il devrait avoir reçu le montant déjà. Fait que, c'est donc, il est là pour le faire. Fait que ça complète, en gros, la séance du 3 février dernier à Saint-Ignace. On vous remercie, M. le maire, d'avoir été des nôtres pour informer vos concitoyens, puis aussi tous ceux qui écoutent cette région. Donc, c'était Saint-Ignace vous informe. Au mois prochain pour la prochaine édition.